Jour de vote à Alitalia. Les salariés de la compagnie aérienne italienne ont jusqu'à lundi pour se prononcer sur le plan de sauvetage conclu la semaine dernière entre les syndicats et la direction. L'accord prévoit entre autres une réduction des salaires à hauteur de 8% pour le personnel navigant, la suppression de près de 1000 postes en CDI pour le personnel au sol et une réorganisation totale de la flotte. Des conditions sine qua non à une aide financière de 2 milliards d'euros par les actionnaires, dont une injection de 400 millions en urgence. Détenu à 49% par Etihad Airways, Alitalia perdrait actuellement plus d'un million d'euros par jour. La trésorerie est à sec. La compagnie nationale italienne espère, grâce à ce plan de réduction des coûts, générer des profits en 2019.